fais plumer au poker ou quoi? Le poker c'est comme la foncée, si tu gères pas, tu joues pas. Mais quand tu t'es braqué, tu gères comment? T'es fait braquer? Ouais. Mais merde Diego, je veux que tu fasses passer le mot. Il nous faut ces fils de pute. Je les ai, Tito. Il y en a un des trois qui s'appelle Asdin. C'est des mecs d'où? C'est le petit frère de Sid Ahmed. C'est grave ce que tu dis là. Tu te débrouilles pour qu'on s'assoie avec Sid. On peut pas laisser passer ça. On a retrouvé les mecs qui ont fait le coup, hein. C'est le petit frère de Sid. Allô, Sid? Oui, Sid. J'arrive, Sid. C'est toi qui parle. Ouais, Sid, y a un gros problème. Ton frère a merdé. La table de poker, c'est bon quoi. Les mecs qui se réunissent avec des grosses liasses. Tu vas pas venir braquer des gens comme ça, c'est, ça se prépare un truc comme ça. On prépare rien, on débarque, on braque, on rentre chez nous, c'est fini. Ouais. Je veux pas que tu la fatigues la daronne avec tes conneries. Bon, y a qu'une chose à laquelle je crois. Le travail. Mon travail? Y'a quelqu'un qui t'embête? Toi, tu veux l'attendre à la récré et lui tirer les oreilles? Non, non. Je vais juste attendre à la sortie de l'école et lui coller une bonne fessée. Appelle-moi Samir. Ouais, t'as de l'air dans le cerveau, quoi. Dégage d'ici, là. Et on va te monter en l'air, ici. J'ai un de mes gars qui s'est fait braquer. Alors, si tu le corriges pas, on va s'en occuper. Personne touche à mon petit frère. Ni toi, ni ta bande de salopes. Le milieu. Descends! Descends! Oh, ok. Je suis toujours pendu au téléphone, je passe après tes affaires, ça m'énerve. T'es à la place et tu dois être, arrête de faire des réflexions à deux balles. Allô? Quoi, je t'emmerde? Moi aussi. Allô? Les Tongs et les Arabes vont au clash. Une histoire de braquage, de glamour. Je vais surveiller ça de près. Il y a soleil sur la terre. Des petits trous, toujours des petits trous.